reconnaît et nous aide à faire avancer nos valeurs. Et c'est toute cette agilité, ce dynamisme, cette volonté de casser un peu le système, de le disrupter. Notre projet, qui est très ambitieux en France durant les 5 prochaines années, c'est la création de 150 000 emplois, directs ou indirects, dans l'écosystème Salesforce. Salesforce étant un acteur aujourd'hui important et incontournable de la chaîne data. Et le fait de pouvoir mettre à profit mon expérience passée sur une nouvelle solution, c'est quelque chose qui m'épanouit professionnellement et qui forcément a une incidence sur mon épanouissement personnel, ce qui me semble important. Pour moi, Salesforce, c'est bien plus qu'une plateforme CRM, c'est quelque chose qui est vraiment très global. J'ai eu l'occasion de former beaucoup de personnes qui, justement, grâce à la certification derrière, leur ont permis en fait, d'obtenir des emplois. Le but pour moi de la formation, c'est de pouvoir vraiment apprendre les best practices principalement et de savoir vraiment configurer pour que nos clients aient la meilleure plateforme possible. Ils vont effectivement avoir l'occasion de découvrir Chatter, de découvrir comment on active des utilisateurs, comment on les désactive. Et puis on a aussi tout ce qui est la mise en place d'automatisme avec les workflows, les process builders et les règles d'attribution. C'est bien organisé, le temps de travail sont bien faits. On a le temps de couvrir les choses, on a le temps de poser des questions. Aujourd'hui, en tout cas, ils ont tous les éléments qu'ils ont besoin pour continuer à travailler dans le but d'obtenir cette certification. Avec cette formation, je me dis que je suis prête à aller passer la certification. Les années qui sont à venir pour Salesforce, l'employabilité sera encore très bonne. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas simplement vendre, il faut aussi qu'on aide à l'utilisation. Et ça apprend des nouvelles méthodologies de travail, des nouvelles façons d'organiser les process. Ça va changer ma vie complètement.